Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième épisode sur le jeu Lara Croft. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like, l'abonnement, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir les amis. Alors si vous avez suivi les deux premiers épisodes, j'avais commencé clavier souris, j'ai galéré un peu. Donc là je me suis équipé d'une manette et on va faire avec la manette, hein, et on va voir ce que ça donne. Et je pense que ça ira mieux. Alors déjà, ah ouais. Déjà ça fait bizarre de rejouer à la manette. Alors ça c'est pour les larmes, ok. Ça sert à quoi? Comment on fait pour craft du coup? Merde, du coup, comment on fait pour craft? Non, non, obligé. Option. Manette. Ah ouais, pas mal. Il y a beaucoup de commandes. Voir commandes. Ok. Ok. Ça c'est pour se soigner. Ok, d'accord, j'ai compris. Une galère de guerre byzantine. Comment est-elle arrivée là? Donc c'est bien X. Le fait d'avoir commencé clavier souris, du coup j'ai tous les paramètres à reprendre. Ces Mongols, mais ils sont bien passés par là. Je dois pas être loin de la cité perdue. Et du coup faire la mission. Ah ok, c'est comme ça. Très bien. Ah, il y avait un truc à prendre là. Il doit y avoir quelque chose là-haut. Ça nous donne quoi ça? Je dois trouver un moyen de briser la glace. Le Maria Adula est perdu. La glace a cédé. Ok. Ok, c'était pas ça qu'il fallait faire. Ah, pour courir plus vite, c'est comme ça. Okay. Ouais. Okay.
Ok, c'est bien ça qu'il fallait faire. Oui, ça a marché. Oui, vu que je lui envoie des épisodes après sur YouTube. Avec personne, du coup. Ok, j'ai compris. Ah, c'est plus facile à jouer avec la manette, hein. Vite, 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 vite. C'est bon. Super. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Transportaient-ils toutes ces richesses avec eux? Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire byzantin. Tirer rapidement deux flèches consécutives sans avoir à courir en cœur quoi. Effectuer un tir rapide en appuyant. Ah putain. Et en relâchant après avoir tiré la première flèche. Ils allaient là-bas. Ok. Contre des améliorations et de l'équipement. Ok. Ah, du coup, comment on fait là pour... Ah, ok. Sauter. Ah putain, mon bouton il reste appuyé. Le prophète et ses fidèles.
Et ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser cette manette. Le bouton A, il reste enfoncé. Je ne suis pas ton ennemi. C'est à moi d'en juger. C'est toi qui as tué ces hommes là-bas. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. Ça fait longtemps qu'ils sont là ? Quelques jours, tout au plus. Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous. Tu devrais quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Je suis venu faire quelque chose d'important. Je suis sûre que aussi. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Toi et moi, on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce que... Il y a donc des gens qui vivent ici. Ils sont installés depuis très longtemps, semble-t-il. Ils vivent en autarcie depuis des décennies. Ah, ça casse les pieds. C'est de là où on vient. Je peux pas faire grand chose pour l'instant. Il n'aura pas fallu 2 jours en Sibérie. Constantin a quitté la prison. Il faut qu'on fasse un peu de ménage avant qu'il arrive. C'est quoi ? Je te vois ! Ah mais... C'est hallucinant. Un enfoiré avec une hache, avec 3 mecs armés devant lui. Rien que ça. Je sais pas comment ils ont réussi à en capturer un vivant. Je vais regarder, je reviens. T'éloigne pas. Là-bas ! D'autres là. Et...
Il y en a d'autres qui arrivent. Personne n'a frappé la porte. Il faut mettre ces caisses le plus loin possible du feu, et plus vite que ça. Elles sont pleines de munitions. On peut pas se permettre de les perdre. On sécurise la zone. Ça fait quelques minutes qu'on a plus entendu de coup de feu. Je pense qu'il n'y a rien à signaler. Comptez pas trop là-dessus. Restez sur vos gardes tant que les transmissions sont pas rétablies avec la prison. On est livrés à nous-mêmes sur ce point-là. C'est l'hélicoptère de Constantin. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Je devrais pas vous le dire, mais ils ont capturé un natif vivant pour pouvoir l'interroger. Ça nous a coûté 3 heures. Levez la tête! Attention! Il repasse lui là-haut ou pas? C'est où qu'on entend les pas? Je vais être au-dessus. Quelque chose près des clôtures? Rien. Mais la première fois non plus, on les avait pas repérés avant qu'ils soient à l'intérieur. Merde. C'était pas ça qu'il fallait faire. Parler, il va se vider. Oh oui, en flingue, enfin. L'heure tourne. Tu vas mourir, tu comprends? À moins que tu me
dis ce que je veux savoir. Quand on sera mort, on s'occupera de toi. L'armée rouge arrive. Ok, il faut faire quoi? Tu crois que vous allez pouvoir nous barrer la route? C'est perdu d'avance. Agios Oteos. Agios Prophetes. Ils l'ont capturé. Il faut... Oh non. Non, non, non. Mais du coup, j'ai plus mon arc, là ? Ah, ok. Pas beaucoup de balles, on va utiliser arc pour l'instant. Ok. Ok. Comment ça se présente? Bien sûr que je puisse stopper cette fuite. Si j'y arrive pas, va falloir qu'on tombe le conduit jusqu'à ce qu'on ait remplacé la vanne. Bon, là on va reprendre le flingue, je crois. Facile de trouver une vanne de rechange ici. Je t'avais confié cette mission. Oui, monsieur. On s'attendait pas à autant de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération? Oui, mais... Non. Non. Je ne crois pas. Comment quelqu'un comme toi le pourrait? Doucement. Doucement. N'aie pas peur de la souffrance. D'ici peu, nous toucherons au but. Mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin, vous êtes attendu à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir long sur l'artefact. Restez fidèles, et vous partagerez la gloire de la source divine. Au secours! S'il vous plaît! Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Non! Que personne ne le touche. On a une nouvelle fuite de carburant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce truc a plus de 50 ans. Je pense que la vanne a lâché. Allez, il faut stopper. On nous tire dessus! L'autre il est où, là-bas? C'est bon, y'a plus personne. Mes yeux, aidez-moi. Allez. Tiens, je t'aide. Arrêtera de souffrir. Aïe aïe aïe. Oh.
Putain. Les couilles. On va récupérer le corps là-haut là. Lui, je l'ai fouillé, lui là. Il n'y a pas un que j'ai pas fouillé. Tiens, il y a des munitions là. Tiens, il y avait plein de trucs en fait. C'est bon. Constantin, l'homme qui a tenté de m'éliminer en Syrie, est ici. Il est violent et dangereux. Mais le pire, c'est qu'il semble se consacrer corps et âme à ses croyances tordues. Apparemment, il a le chic pour se brouiller avec les fanatiques religieux. Mais j'imagine que ce lieu n'y est pas étranger. Qui d'autre se mettrait en quête du secret de la vie éternelle? Via la radio, ces hommes ont parlé d'un prisonnier détenant des informations. S'agit-il de l'un des habitants que j'ai rencontrés? Et que sait-il? Les Trinitaires ne sauront pas attendre pour le découvrir. On peut choisir l'arme qu'on veut. Je pourrais peut-être le retrouver, le questionner sur ce qu'il sait. Il pourrait être judicieux de gagner la confiance des natifs. Wesh. Ah, oh, celle-là, elle est pas mal, hein. Oh, je suis nul, hein. Voilà, arrête-toi. C'est facile. Il me faut des plumes aussi. Ça donne des plumes, ça, normalement, non? Ouais. Je vais me faire repérer si je passe par là. Il doit bien y avoir un autre accès. Il est raide. Ne tirez pas. Je ne suis pas hostile.
Qui êtes-vous ? Tout ça peut attendre. Si vous voulez des réponses, écoutez attentivement. On a réussi à détruire l'ancienne tour radio, mais ils restent en contact grâce à des antennes relais. Il faut les neutraliser. Aidez-moi, et je dirai aux autres qu'ils peuvent vous faire confiance. Bah, ouais, accepté. Hein. Je vais y jeter un œil. Parfait. Détruisez les tours de transmission. Approchez les requis pour... Ok. Y'a un truc là-haut, là. Allez, des... Ok. Y a des gens ou pas? Oui, dépecer les animaux pour fabriquer des vêtements. Ok. Ah oui, c'est là qu'il faut que je fabrique des vêtements plus chauds. Yo, Charlou! Va mon fraté! Wesh. Wesh. Ah putain. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Ça va super et toi? Ouais, ça va hein. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué qu'une manette hein, ça se voit. Je ne les ai pas encore tous trouvés, mais je m'en occupe. Oh, mon casse les couilles, ces putains de mouches de merde. Ça va aller, t'inquiète. Oui. On va essayer, hein. En plus, j'ai ma manette, le bouton il reste appuyé, c'est chiant. Non, je peux pas. Ah, pose un dent. Ah, c'est fermé. Ouais, il faut que je tue des animaux là pour me faire une tenue plus chaude. Sinon, je vais mourir de froid. Tu as quoi comme manette? Tu sais, c'est une manette imitation Xbox là, mais tu sais, c'est le caoutchouc qui est à l'intérieur. Il fait pas remonter la. Il est où cet enculé? Voilà. Des fois, quand j'appuie dessus, tu sais, elle revient pas. Non. Donc, c'est chiant.
Parce que des fois, c'est le bouton pour sauter, donc des fois, elle saute toute seule, tu sais. Nouveau document et lieu fresque révélé, ok. Ah. Et toi mon fraté, comment tu vas? Il y a un truc là. De rentrer de la foire, donc c'était cool. La foire Saint-Romain. Bon, il me faut d'autres animaux là ou quoi? Comment je fais pour crafter les vêtements? Au feu de camp peut-être. Ouais, ah bah c'est bien, tu t'es régalé. C'est quoi comme manège maintenant? Tu viens d'arriver dans la vallée, hein? Ouais, avec le dernier ravitaillement, c'est pas fini, pareil. Ça arrive de partout. Quoi qu'il prépare, je crois que cette fois, c'est... Ah! Juste ici! Soutirer plus d'infos aux prisonniers. Constantin risque de pas apprécier s'il doit s'en charger lui-même. On va lui mettre la pression. Mais on sent qu'il connaît déjà certaines techniques d'interrogatoire. Nous pensons qu'il s'agit du chef des rescapés. Il en sait forcément plus sur la source divine. Trouvez sa faiblesse. Soyez créatif. Ce prisonnier, je peux peut-être le trouver. Équipement. Là, c'est que... C'est pas ça. Munitions. Pareil, c'est que des... Comment je fais les vêtements chauds, là, qu'il m'a dit de faire? Alors, déjà, je vais peut-être améliorer les armes. Capacité de munitions, on va mettre ça. Là, je peux ramasser plus de munitions. Ah, je peux encore améliorer quelque chose. Le piolet, peut-être, non? Hmm.
Poignée renforcée, grâce à sa poignée renforcée, l'épaule, l'arme tient mieux dans la main. Vas-y, hein. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut mettre, non? Ça? Je ne suis pas assez doué en russe pour déchiffrer tout ça. Défense 2, ok. Mais on dirait une sorte de carte. Toujours les loups là. Ah, il m'a cassé les couilles cette putain de mouche de merde. Inscription. Ce n'est pas du russe. Un avertissement peut-être. Des antennes relais. Elles ont dû être installées par les Trinitaires. Alors il est bien le jeu. Ouais ouais, il est bien le jeu. Cherche la source. Je dois découvrir ce qu'ils savent à son sujet. Juste là, j'ai une mission à faire et je crois que j'avais pas réussi la première fois que j'avais joué au jeu. Il y a des loups aussi là. Mais là il faut l'arc avec le grappin, ça je l'ai pas encore. Ah pardon.
Ah, par contre, là, il y a ça à prendre. Champignons. Bah, je l'ai fait pourtant. Là, tu vois, elle commence à avoir froid. Et je vais mourir. Et depuis tout à l'heure, je tue les animaux, mais ça me propose pas de... Parce que je dois... Ils disent qu'il faut que je tue des animaux pour me faire des vêtements chauds. Ouais. Mais je sais pas où je dois faire les vêtements après. Et au... Je crois que t'es fait de camp. Ouais, mais au feu de camp, ça me le propose pas. Et t'as fait le menu du jeu? Comment ça? Tu sais, t'as un menu du jeu. Pas ça, l'autre. Y'a quoi? Voilà. Va sur les coupés, RB. Document. Là, ça doit être ça, craft. Non, c'est juste pour voir tes ressources. Comment tu fais? Crafter. Ouais, mais j'ai pas. Je vais y retourner, mais. Ou alors faut lui reparler à lui là. Vous avez terminé? Les émetteurs sont détruits. Mais non, lui, c'est sa mission de merde. Mais je m'en occupe. Là, je peux pas utiliser de full. Ah, si. Ross insiste pour que j'apprenne à tirer. Il a essayé de me montrer aujourd'hui. C'était une catastrophe. Comme je dis toujours, sur le terrain, une canne et de bonnes bottes sont tout ce dont on a besoin. Je lui ai dit que mon domaine de prédilection était les mots, pas les armes. Il a ri et répondu qu'il espérait que je saurais trouver les mots nécessaires pour ralentir la charge d'un bison. J'ai rétorqué que c'était pour ça qu'il était là, mais je lui rends grâce d'avoir essayé. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres leçons. Ross a toujours dit que je devais tenir mes yeux perçants et mes mains stables de maman. Cet été-là, c'est à moi qu'il a appris à tirer. J'ai été une bonne élève. Peut-être un peu trop. Et que pour les armes.
terminé. Ouais, elle a toujours froid, je me dis. Je ne les ai pas encore tous trouvés. Mais je m'en occupe. Non, ça, on peut pas. Il y a peut-être un moyen d'accéder à l'ancienne prison. J'ai réussi à infiltrer les rangs ennemis. Ou alors faut continuer à tuer des animaux. J'espère que tu recevras ma dernière bande à temps. Je prends de plus en plus de plaisir à enregistrer ces messages et à te les envoyer. Anna dit que je dois sortir le nez de mes livres et de mes articles de temps en temps. Ne serait-ce que pour me rappeler pourquoi je fais tout ça. Pour qui surtout? Je sais que tu détestes que je m'absente, mais tu comprendras un jour. Tu verras que c'était utile. Je t'embrasse très fort. Travaille bien à l'école. Je sais que tu pensais faire ça pour moi, mais je ne le ressentais pas comme ça à l'époque. Enfin, ça m'a appris à être indépendante, à me débrouiller toute seule. Ça s'est révélé très utile, finalement. Elle fait toujours, elle grogne toujours. Voilà, ça y est, mon bouton il reste bloqué. Je ne suis pas assez douée en russe pour déchiffrer tout ça. Mais on dirait une sorte de carte. Un vieux camp de travail soviétique. Les trinitaires en ont pris le contrôle. Tu viens d'arriver dans la vallée, hein? Minute, ça a bougé. Putain, quelqu'un nous observe. On a de la compagnie. Wesh. Oh. Je suis nul au shoot, hein. Oh putain, il est où? Il est où?
Et je l'ai pas vu lui. Encore de la propagande soviétique. Pas les PM. Il est mort, mais... Les bonnes provisions utilisées. Et c'est bien, t'as. Vas-y, approche des objets. Écoute, je suis de ton côté. Je suis technicien, j'assurais la maintenance des trinitaires. Mais il faut que je me tire d'ici. Ces types, ils s'en foutent. J'ai stocké du matériel, il est à toi. Si t'as de quoi payer, ils remarqueront pas s'il manque quelques objets. Mais s'ils le découvrent ou qu'ils nous voient ensemble, je suis un homme mort. Ah ouais, mais je peux pas payer. Au cas où les choses tournent mal, de l'or de préférence. Alors, marché conclu. Je vais voir ce que je peux trouver. Mais c'est quoi cette monnaie, tu la chopes où? Oh, je suis dégoûté, je peux rien acheter. Non, le pompe là, ça aurait été bien. Ah putain, c'est pour retourner là-bas? Bah c'est ça qu'il faut prendre alors. Vous ne faites plus aucun rapport. Les trinitaires sont inquiets à votre sujet. Les natifs nous donnent du fil à retordre. Nos transmissions ont été HS, mais on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation échappe à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Je vais réussir. Je vais m'en assurer. Alors ? Ah, ça c'est ballot. Un coup de crosse dans la gueule, ça fait mal. Lara, est-ce que ça va ? Oh, j'ai eu peur. Oh, Anna ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe, Lara ? J'ai peur. Je suis désolée, Anna. Je ne pensais pas qu'ils s'en prendraient à toi. Tout est de ma faute. Mais qui sont ces types ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Ils sont après la même chose que papa. Oh non, Lara, je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans. Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles. C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. On va y arriver. Sale gueule, lui. Ne la touchez pas. Pitié. Non. Parlez. Non. Non, espèce d'enfoiré. Où se trouve la source divine? Arrêtez. Faites pas ça, je sais pas où elle se trouve. Ça suffit comme ça. Elle ne sait rien. Ah la pute, elle est de son côté. Quoi ? Toi ? Non. Tu es avec eux ? Espèce d'enfant. Ah ah.
J'aurais pu lui dire espèce de pute, ça lui allait très bien. Comme adjectif qualificatif. Tu ne pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non mais tu te fiches de moi ? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom ? C'est un va te faire maître ! Je suis curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père ? J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact ? L'exhiber aux yeux du monde ? Redorer le blason de la famille ? Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. On n'en tirera rien. Non. Pas tout de suite. Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Oh, elle, je vais me prendre un malin plaisir à la zinguer, elle. Qu'il n'a jamais connu que ça. Je me croyais seule ici. Moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune ? Vous fatiguez pas, je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir ? Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? Ok YouTube, allez, on s'arrête pour cet épisode. Merci à vous de regarder l'épisode. N'oubliez pas les petits likes, l'abonnement, les commentaires, partagez la vidéo. Et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde.